externaliser l'ensemble de l'infrastructure de production de façon à pouvoir sécuriser production informatique, et ce, à moindre coût. À la fois sur les investissements qui sont maintenant plus nécessaires puisqu'on a un coût au niveau du service, et puis ensuite en capacité d'évolution qui nous permettent aujourd'hui de faire face à nos enjeux de croissance à la fois sur le nombre de services et sur le nombre de magasins de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus linéaire et à moindre coût. Bien, nous, on a d'abord le premier bénéfice qu'on tire, c'est qu'on a comme référence une entreprise qui s'appelle Cultura qui fait partie des très belles réussites national aujourd'hui, on peut le dire, avec plus de 50 magasins. Donc c'est déjà un bénéfice d'image pour Kiops Technologies que de comptabiliser une référence comme celle-ci. Ensuite, on a pu, j'ai envie de dire, construire avec Cultura un modèle assez unique en matière de facturation du système d'information via le cloud, puisque l'un des enjeux métiers de Cultura, c'était la prédictibilité du cloud, à savoir combien le système informatique, combien le système d'information allait coûter au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise et de l'ouverture des magasins. Et donc, nous avons mis en place, conjointement avec Pierre-Jeanne, on met en place une unité d'œuvre de facturation de notre cloud, qui est une unité d'œuvre au magasin, ce qui permet à Pierre de savoir exactement à chaque fois qu'il va ouvrir un nouveau magasin, que Cultura va ouvrir un nouveau magasin, de savoir combien exactement coûtera le service informatique dans le cloud Kiops. Ainsi, on est en train de mettre au point, on a quasiment terminé, une offre qui s'appelle iCode Healthcare, qui est dédiée au monde de la santé, healthcare à l'américaine, où nous facturons le service de cloud, la prestation du système d'information en fonction du nombre de cliniques qui sont connectées, en fonction du nombre de dossiers patients qui sont gérés. Et les cliniques elles-mêmes payent également en fonction du nombre de lits qu'elles ont à l'intérieur des cliniques. Voilà, on s'oriente de plus en plus vers des clouds métiers. Alors, d'abord, on avait besoin absolument d'un acteur professionnel pour gérer notre ERP sur le cloud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pourquoi Kiops Technologies a été en shortlist et ensuite vainqueur? Une raison principale, ça a été sa capacité à être flexible vis-à-vis de nos contraintes et la proximité d'un acteur bordelais qui a joué terriblement en sa faveur dans la capacité à monter quelque chose d'ambitieux rapidement à des coûts compétitifs. Je crois que nous étions une des rares sociétés en France aptes, je dis bien en France aptes, à gérer son ERP qui est un ERP pas très diffusé, qui s'appelle JD Edwards, en tout cas pas très diffusé forcément en France. Donc JD Edwards, qui est un ERP de chez Oracle, nous avions la capacité donc de gérer et de maintenir en condition opérationnelle ce logiciel de gestion intégrée. Comment? Eh bien écoutez, aujourd'hui avec deux data centers distants de 25 km, interconnectés par deux chemins de fibre optique, eh bien nous avons su assurer pour Ceva Santé Animale garantir un très haut niveau de disponibilité du système d'information jusqu'à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et combien? Ben, j'ai envie de dire, comme disait la pub de chez Renault, je crois, pas assez cher, mon fils.